pour ce prix de la Société des Courses de Rambouillet, une course plate sur la distance de 1400 mètres, alors qu'on a tout de suite pris l'avantage avec It's a Boy qui s'est emparé du commandement avec Jubilé des Vallons qui vient en seconde position. On est en troisième position avec Diablotin de Bré, avec Téline Michu qui est à l'arrière-garde, de même que Filden Majority actuellement. C'est Dissertone Pandora qui ferme la marche de ce peloton. Les concurrents sont dans la ligne opposée. It's a Boy qui emmène le peloton avec un très léger avantage avec Téline Michu qui vient lui mettre la pression maintenant en seconde position avec Jubilé des Vallons qui est troisième, juste devant Diablotin de Bré qui n'est pas loin du tout. Filden Majority est là également en avant-dernière position avec Matteo de Hesdevaux. C'est Dissertone Pandora qui ferme la marche de ce peloton. Un peloton en file indienne et une allure très régulière maintenant en tête avec tout de suite Téline Michu qui a pris l'avantage. Maintenant une longue durée, une avance pour aborder le tournant final avec It's a Boy qui est en seconde position. Jubilé des Vallons est en troisième position. On est un petit peu plus loin maintenant en quatrième position avec son compagnon de Kazakh. Il s'agit de Diablotin de Bré. On est à l'extérieur avec Dissertone Pandora qui tente de regagner des rangs à l'extérieur. Relégant maintenant Filden Majority qui ferme la marche de ce peloton. La concurrence sont dans le tournant final et vont aborder la ligne d'arrivée dans quelques instants avec Téline Michu qui a l'avantage depuis la mi-course et qui va tenter de repartir de plus belle, mais on va tenter de venir lui porter les stockades maintenant et l'attaquer côté corde avec It's a Boy qui n'est pas loin du tout, avec également Dissertone Pandora, Filden Majority qui sont plus en pleine piste actuellement. Les concurrents sont à 200 mètres du disque final. It's a Boy côté corde qui réaccélère à l'extérieur. Téline Michu, Dissertone Pandora entre ses concurrents qui s'annoncent maintenant aux abords du disque final. It's a Boy, Jordan Major qui a l'avantage, Dissertone Pandora qui est à l'extérieur devant Téline Michu. C'est It's a Boy qui va s'imposer côté corde. Dissertone Pandora sera deuxième. Téline Michu est troisième, juste devant Filden Majority qui précède Diablotin de Bré et Jubilé des Vallons.